Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Série, le podcast. Tous les matins à partir de 8h, on vous raconte le festival Sérimania de l'intérieur. À mes côtés, Delphine Rivet de Binge by Combini qui signe aussi des super sujets dans Story Série toute l'année. Mais tout à fait, salut Charlotte. Salut. Et de l'autre côté, Benoît Lagan de France Inter. Salut Charlotte, salut Delphine. Salut, le grand patron du podcast à Sérimania. Ouais, enfin le grand patron, on fait juste 2 heures tous les jours. Regarde, moi je fais 5 minutes et je suis fatiguée. Voilà, bon, mais moi je fais 2 heures. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est les amis du podcast. Parce que vous, c'est le matin à 8h, ah ben moi, c'est à 18h. Et il y en a deux, il y a des critiques dans lesquelles on vous entend parfois dire tout le bien. Et puis, où on reçoit aussi toutes les personnalités que l'on peut recevoir du festival. Et c'est vrai que depuis vendredi dernier, ça défile. Hein. Ça défile. C'est the place to be un peu. Ouais. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez vu de chouette et dont vous aimeriez me parler ? Moi, je ne suis pas arrivée, j'ai pris le festival un peu en retard, donc j'ai commencé tard. J'ai privilégié pour l'instant les masterclass. On va dire qu'en série, pour l'instant, j'ai vu surtout des formats courts. Et il y en a une en particulier qui m'intrigue, que je vais probablement continuer, qui s'appelle Fourchette, une série québécoise, et qui m'a donné des petites vibes de Fleabag par moment, donc j'ai envie de voir la suite. Très bien. Moi, j'ai vu aussi Fourchette. Effectivement, c'est très, très bien. Puis Sarah Maud Beauchesne qui fait la série, qui est dont le modèle, c'est Lena Dunham. Enfin, c'est comme ça qu'elle le raconte. On en parlait, elle est venue dans le podcast et on en a pas mal parlé. Et elle est... ouais, c'est assez étonnant. Après, c'est du format court de 10 minutes. C'est web-série, 10 minutes. Donc, c'est intriguant. On a vu que deux... voilà, j'imagine que Delphine, tu as vu aussi que les deux épisodes qu'on nous a proposés. Mais c'est plutôt pas mal. Moi, sinon, ce que j'ai vu, alors je n'ai pas fait beaucoup de masterclass, hein, j'ai pas eu trop le temps parce que entre les visionnages de séries et les interviews à faire, c'est compliqué. Mais donc j'ai vu, pour l'instant, il y a deux choses que vraiment m'ont plutôt plu. Dans la compétition officielle, j'ai beaucoup aimé Chimérica. Je trouve que c'est une série vraiment étonnante parce que d'abord, c'est une mini-série anglaise. Moi, je suis pas fan des mini-séries au départ. Ah ouais, je préfère les grandes séries. Moi, j'aime les grandes séries. J'aime quand une aventure commence, qu'elle me promette des heures et des heures et des heures d'aventure, le plaisir de retrouver des personnages que je vais aimer pendant des épisodes, voire des saisons et des années et des années. Bon, je voilà. suis d'accord. C'est un peu l'ADN de la série. Voilà, ça, c'est moi. Ça la bah série. Oui, mais regarde Sharp Object, par exemple, des choses oui, comme ça. Oui, alors après, ça y ne y veut pas dire. Non, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'une mini-série n'est pas. N'est pas inintéressante, au contraire. Mais mon goût personnel va plus à la série classique. Et donc la mini-série, souvent, si ça me plaît moyen au premier épisode, je me dis pourquoi me farcir 4 heures d'un long film qui va me faire chier. Donc je m'arrête très vite. Et là, ce que je trouve très fort dans Chimérica, c'est que ça a tout de la grande série. En fait, ça a toute la grande série qui pourrait durer au moins 12 épisodes par saison pendant au moins 2-3 saisons. Un newsroom chouette, quoi. Non, mais c'est parce que newsroom, en fait, j'ai bien aimé au début. Et puis j'ai trouvé que bon, mais c'est sans doute autant le problème de la production que de la place qu'on a mis donnée à cette série. Mais elle avait une promesse pendant une première saison que j'avais adorée. Après, j'étais un petit peu déçu. Mais ça reste une série que j'aime, newsroom. Hein. De toute façon, il y a tellement peu de séries sur le journalisme que toutes les séries sur le journalisme, je les trouve bien. Donc Newsroom, mais ça c'est Chimérica, il y aurait pu avec Chimérica avoir un nouveau Newsroom, alors pour être plus gentil, un nouveau Newsroom, vraiment c'est passionnant. Et puis ça dit tellement de choses sur notre monde actuel, sur l'Amérique, sur la Chine, vu par les Anglais, donc encore plus intéressant. C'est très politique, ça dit des choses sur notre métier de journaliste, passionnante. Et puis ça se permet des moments de poésie, donc pour moi là vraiment, c'est une mini-série, mais qui ressemble à une grande série et qui a tout ce que j'aime, de l'action, du sens. Voilà. Alors que parmi d'autres choses que j'ai pu voir, soit je trouve que l'esthétique l'emporte et c'est très bien, soit je trouve que c'est lent et c'est beau comme un long film anglais et c'est très bien, mais il manque un truc en série. Enfin voilà, pour l'instant, je suis dans cet état-là avec les séries que j'ai vues. Donc ça, pour vraiment Chimérica, vraiment tout en haut. Et puis chez les Français, j'adore Le Grand Bazar et je défendrai Le Grand Bazar jusqu'au bout parce que j'ai enfin l'impression de voir une vraie série. Voilà, une série de télé. On allume sa télé, on tombe par accident dessus et on aime tout de suite les personnages.
et on reste avec les personnages et on a envie de les suivre aussi longtemps comme on a aimé les Le Pic et les Boulets quand Fais pas ci, fais pas ça a débarqué sur France 2. Voilà, ça pour moi, c'est les deux choses vraiment que j'ai beaucoup aimé. Et Delphine, tu disais que tu as vu surtout des masterclass, tu as vu quoi de cool comme rencontre, des gens qui t'ont touché, ému, saoulé? Non, j'en ai une en particulier qui m'a beaucoup touchée et que j'ai trouvé, j'ai vraiment pas vu le temps passer, bah, c'est celle de Martine Oxon qui a été présentée par toi, Charlotte. Je crois que c'est ma nouvelle meilleure amie, mais bon. Mais oui, non, mais c'était, j'avais trouvé que c'était vraiment. C'était fait pour toi, je pense. Ouais, c'était oui, mais complètement. Et je trouve que c'était d'abord une belle rencontre entre, bah, entre Charlotte et Martine Oxon, je trouvais que c'était un bel échange. Et puis voilà, et puis Martine Oxon, c'est une personne qui est absolument fascinante, qui a eu déjà mille vies, j'ai l'impression, voilà, rien que dans les séries, qui a effectivement, on s'en rend pas forcément compte au premier abord, mais qui a effectivement une espèce de patte, ou en tout cas qui choisit ses projets, ou c'est ses projets qui la choisissent, mais c'est assez fascinant de voir justement avec le recul ce qui marque son parcours, que ce soit voilà, avec Buffy, avec Dietland. Je suis contente parce que vous avez passé quand même pas mal de temps sur Dietland, qui est une série que, voilà, dont je regrette encore énormément l'annulation. C'est un vrai crève-cœur. Ouais, vous avez passé un peu moins de temps sur Unreal parce que, bon, en même temps, elle était là que mais la première saison. Mais parce qu'on avait plus de temps, ma bonne dame. Plein d'autres choses à dire. Et puis, mais finalement, tu vois, je regrette pas qu'on ait passé plus de temps sur Dietland qui. Même si elle n'a eu qu'une saison, a bien plus d'importance, je pense, a beaucoup plus de... Enfin, Unreal avait des choses à dire, mais elle est vite tombée en plus dans des travers un peu nazes. mais Martine Oxon, super. Je suis allée voir la rencontre Les Grands aussi. Parce que en toute transparence, c'était mon amie et rédactrice en chef Marion Olité qui animait la rencontre avec les jeunes acteurs et actrices des Grands et le réalisateur slash scénariste. Voilà. Donc, et en plus, je ne connaissais pas la série. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je ne l'ai pas vue. Donc, je ne sais pas si je vais la regarder suite à ça. Je ne sais pas si ça m'a vraiment interpellée. Mais non, mais enfin, je pense que c'est pas de leur faute. C'est juste le sujet qui me, a priori, me passionne pas des masses. Mais la rencontre était sympa. Ces petits jeunes là, comme ça, pour qui c'était souvent les premiers rôles et qui m'ont accompagné leur personnage, comme ça, ça fait. Je crois que ça fait 4 ans quasiment qu'ils la font. 3 saisons, ouais. Voilà, donc c'est assez impressionnant de voir leur maturité. En même temps, ils sont encore très très frais, très... Enfin, je trouvais ça très mignon. Et j'ai vu hier soir la grande Uma Thurman avec le grand, au moins en taille, Olivier Joyard. Non, c'est la seule personne plus grande qu'Uma Thurman, c'est oui. Et quel est le plus glamour? Deux. Des entre deux. Olivier et Uma. Ils se complètent. Ouais. Mais oui, c'était chouette aussi. C'est une grande dame du cinéma, quoi. Puis maintenant des séries, j'espère. Je souhaite une belle carrière aussi, aussi belle qu'au cinéma. Petit moment gênant avec les questions du public quand quelqu'un lui a évoqué Quentin Tarantino, qui, de ce que j'ai compris, était un peu un tabou. Fallait pas lui en parler. Et notamment de son rapport quant à Tarantino un peu abusif, même carrément abusif avec Uma Thurman sur le tournage de Kill Bill. Il y a eu un petit rire gêné, mais c'était intéressant. Elle maîtrise bien l'art de faire dévier le truc. Non, tout va bien. Bon, c'est un mec, c'est un homme fort avec des opinions fortes. Enfin, c'est un génie. Voilà, ouais. On le connaît, ce discours, mais elle est, voilà, je pense que la salle était amoureuse d'elle. Elle est incroyable, elle a une présence incroyable, elle a l'air fort sympathique. Et puis voilà, puis revoir Pulp Fiction, extraits de Pulp Fiction, c'est chouette aussi. Et j'avais complètement oublié qu'elle avait joué dans Smash. Mais oui. Donc on a repassé un extrait de Smash. Et voilà. Et d'ailleurs, elle a reconnu, c'était très marrant parce qu'après l'extrait de Smash, elle a eu un petit moment comme ça où elle a fait « Non, j'étais pas terrible, vous êtes gentil, mais j'étais pas terrible, quoi, dans ce truc-là. » Donc bon, je trouvais qu'elle avait... C'est marrant. C'est dur de dire ce truc-là. C'était bien, ce match. Oui, enfin, je sais pas si elle l'a dit comme ça. Ça n'a pas duré mille ans non plus. Oui, mais c'était bien. C'est moi qui paraphrase. Le poulpe, oui.
Non, mais c'est bien possible qu'elle ait pu dire ce truc. C'est, oui. La saison 1, j'avais bien aimé de Smash, mais je crois qu'elle arrive peut-être plus tard, je ne me souviens plus trop. Je crois que c'est en saison 2, effectivement. Oui, c'est là que j'ai commencé à lâcher. Mais voilà. Ouais. Donc voilà, c'était. Et puis le soir, après, quand on rentre chez soi, on essaie de regarder des séries quand même. Oui. On est un peu là pour ça, en fait. Donc voilà, parce qu'on ne peut pas aller, malheureusement, aller à toutes les projos et tout, mais on a cette chance de pouvoir les regarder sur une plateforme en ligne. Rien que pour nous. Dans notre bain, moi c'est ce que je fais. Jusqu'à ce que mon ordi tombe dans l'eau et que je m'en veuille jusqu'à la fin de mes jours. Oui, c'est un peu dangereux. Ma technique. C'est un peu dangereux. je peux essayer sous la douche. Ou alors il faut faire comme moi, c'est-à-dire qu'il faut regarder les séries, mais ne pas aller aux rencontres. Moi par exemple, après Chambers, je suis vite parti parce qu'il fallait que je prépare le podcast que j'enregistrais le matin pour diffusion le soir. Et donc, je ne suis pas resté du coup pour voir Oumar, Toumad et Olivier Joyard. mais Olivier Joyard, je le verrai. De toute façon, il va venir au podcast. Donc tant pis pour Oumar, Toumad. Mais parce qu'après, il faut préparer. Mais au moins, les rencontres, je les fais sur le podcast. Donc ça a au moins un avantage. Genre, je ne peux pas rencontrer Oumar Toumad parce qu'elle refuse les tête-à-tête, Oumar. Oui. C'est le grand malheur de tous les journalistes. C'est comme ça. Donc je ne verrai pas Oumar Toumad. Mais moi, j'ai dans les rencontres, par exemple, c'est Thomas Lilti. Qui est venu ici dans le podcast, c'était compliqué parce qu'avec le planning des membres du jury, c'est très compliqué pour les avoir. Donc dans les horaires d'enregistrement du podcast, on ne pouvait pas l'avoir. Et donc il est venu un jour où il y avait Delphine de Vigan, membre du jury également, qui venait pour dédicacer juste à côté, donc Audrey Postal, pour dédicacer ses livres. Pendant qu'elle dédicaçait, il est venu et vu que Delphine de Vigan n'arrivait pas, on a parlé 30 minutes. Et c'était super parce qu'il m'a dit des choses, j'en avais les poils qui... Bon, au-delà du fait que j'adore Hippocrate, je suis fan des films de Thomas Lilti. Thomas Lilti, il est de ma génération, quoi. Il a un an près, on a le même âge. Et donc, on a les mêmes références de séries. C'est un vrai sériphile, dans le sens que c'est vraiment le sériphile qui a fait du cinéma, parce qu'en France, la série n'était pas assez développée. Si il avait grandi aux États-Unis, il aurait fait des séries, il n'aurait pas fait du cinéma, en fait, je pense, Thomas Lilti, vu sa culture sérielle. Hippocrate, tu as toujours peur quand tu adaptes un film en série, parce que c'est casse-gueule. Mmh. Et alors, quelle réussite. Oui, et donc, non seulement ce qu'il fait est réussi, et quand il parle des séries, c'est passionnant. Et ma première question, elle était évidente. Enfin, je lui ai dit, mais vous, Thomas Lilti, qui avez grandi en tant qu'étudiant en médecine avec urgence, ça vous fait quoi d'être avec Carole Attaoué dans le jury? Et là, il avait les poils. Non, mais il me dit, mais je pensais que ça ne me ferait rien. Ouais, c'est ça. Je pensais que ça ne me ferait rien. Mais au final, et il le dit dans le podcast, donc ce sera écoutable, c'est écoutable sur France Inter, la rencontre avec Thomas Lilti. Et il me dit qu'en fait, ça lui a fait quelque chose, parce qu'en fait, il ne pouvait pas détacher le fait que c'était et Carole Attaoué et Alyssa Florrick qu'il avait à côté de lui. Il me l'a dit, donc je peux le répéter, c'est vérifiable sur France Inter. Il a dit que du coup, il allait peut-être lui demander de faire une apparition dans Hippocrate. Oh, mais ce serait génial. Oh, la bonne idée. Mais je lui ai dit oui. Alors, je ne sais pas comment, mais moi, j'aimerais carrément que ce soit en Carole Attaoué. J'aimerais carrément que alors ce soit toi, tu es parti dans tes envies de sériphile. Non, mais vraiment, mais pourquoi pas? Il y a bien eu dans Urgence Noah Wyle dans le rôle de Dr Carter qui vient en France à un moment donné dans un épisode à l'hôpital Saint-Antoine. C'est tout un épisode qui est tourné à Paris. Donc pourquoi pas voir Carole Attaoué dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue et qui serait la Carole Attaoué devenue dans l'imaginaire de Thomas Lilti. Serait de passage à Paris et à un moment donné, irait dans l'hôpital de nos amis d'Hippocrate. Ce serait super, non? Ça a été vraiment une rencontre géniale parce qu'on a parlé pendant une demi-heure et Thomas Lilti est passionnant et ce qu'il a dit là, en l'occurrence, ça m'a fait, moi, sériphile et fan d'Urgence, quelque chose de... Voilà, j'étais et d'Hippocrate. T'es trop mignon quand tu racontes ça. des rencontres cool, on en fait tous les jours, comme par exemple maintenant. Merci beaucoup les copains d'être passés dans le podcast et à demain matin pour plus d'infos.